Salam alaikum, Mazul Vlaouen, bonjour. Pendant que le régime procède à une purge dont on ne sait pas si elle est punitive ou préventive, du moins on ne le sait pas encore, pendant que des politiciens de tous bords appellent l'armée à sortir du bois, donc en langage clair, à nettoyer les écuries d'Ogias, les rumeurs les plus folles vol de salon politique en salle de rédaction. Mais elles se murmurent plus qu'elles ne se disent. La menace plane. Le microcosme du sérail politique est dans tous ses états. Tous les barons du régime, jusqu'aux clients secondaires, savent que désormais le couperet peut tomber sur la nuque de n'importe qui, que plus personne n'est à l'abri depuis que le dernier lavement gastrique s'est opéré de façon la plus brutale qui soit. C'est donc en chuchotant que les uns et les autres y vont de leur pronostic. Qui de l'imminence d'un coup d'État, qui du recours inéluctable de l'article 88 de la Constitution, c'est-à-dire de l'évacuation du président, qui de la neutralisation du duo qui contrôle le pouvoir, etc., etc. Les arcanes du pouvoir bruissent de folles rumeurs. Pendant ce temps, la CNLTD, la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique, semble s'être ébranlée pour une nouvelle dynamique. Elle entre dans une autre étape. Elle se réunit de nouveau aujourd'hui avec de nouvelles perspectives, de nouveaux arrivants, de grosses pointures, comme on dit, pourraient y adhérer. En tout cas, ils sont annoncés comme participants à cette conférence. Parmi eux, Karim Younes, ancien président de l'APN, et 5 anciens chefs du gouvernement, rien que ça. Ahmed Ben Bitour, Ali Ben Vlis, Sid Ahmed Rosali, Mouloud Hamrouch et Mokhdad Sifi. A signaler cependant que Hamrouch aurait, dit-on, décliné à la dernière minute. La CNLTD a lancé des invitations à de nombreux acteurs, dont le FFS. Un FFS dont on ne sait pas encore s'il y participera et ce que deviendrait sa propre initiative. Un bien curieux rendez-vous qui se veut une conférence de consensus national et qui se propose de réunir l'opposition et le régime. Pourquoi vert? Bien malin qui pourrait le dire. Sont donc aussi attendus à la conférence de la CNLTD des politiciens de mouvances diverses, progressistes, islamistes, sociolibérales, des militants des droits de l'homme, des intellectuels, des observateurs politiques. La CNLTD se fixe l'objectif de se constituer, nous dit-on, en conseil élargi de l'opposition au régime et de définir une feuille de route pour la concrétisation d'un projet de transition démocratique. Vaste programme. Mais ces grands projets pourront-ils prendre corps? S'étoffer de vraies forces vives, se connecter à une vraie société, laquelle est complètement déconnectée, qui semble se désintéresser totalement de tout ce qui la concerne, qui se pâme dans les délices de bazar chinois et qui ne voit même pas que le pays va à volo. Cette conférence a-t-elle les moyens de ses ambitions? Saura-t-elle trouver le chemin qui mène à une vraie opposition? Saura-t-elle agglomérer autour d'elle les millions de volontés éparpillées par l'anesthésie de masse que mène inlassablement et à grands frais un régime particulièrement corrupteur? Et on aura-t-elle le temps? Les événements ne vont-ils pas se précipiter au sein d'un régime qui vacille sur ses fondations, sur ses fondements, dont les barons les plus importants s'observent en chien de faïence en attendant la nuit des longs couteaux? L'opposition est-elle en train de tourner en rang pendant que le régime menace de s'effondrer de toute sa masse et entraîner dans sa chute le pays tout entier? Autant de questions qui se posent. Aujourd'hui, liberté. Un article de Arab Sheikh.
La CNLTD rallie 5 ex-chefs de gouvernement et plus d'une vingtaine de personnalités. Le front de l'opposition s'élargit. Liberté toujours, un article de Karim Kebir qui est avec nous aujourd'hui. Le pôle des forces du changement appuie l'action de la CNLTD. Ali Benflis, l'unité de l'opposition, un objectif stratégique. Et enfin, l'expression, un article de Karim Aymer. Elle se réunit aujourd'hui au siège du RCD. L'opposition cherche sa tête. Avec nous aujourd'hui, Zoubida Assoul, présidente de l'UCP, et Karim Kebir, comme nous venions de l'annoncer, journaliste. Madame Zoubida Assoul, merci de nous avoir rejoints. Je vous en prie, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez présente à la première conférence de la CNLTD, de façon remarquée d'ailleurs, puisque vous étiez la seule femme à représenter une formation politique. Or, après y avoir participé, vous avez accepté juste après l'invitation de Ouyahia autour de ce que le régime appelle des consultations sur la révision constitutionnelle. Serait-ce à cause de votre participation au palabre de Ouyahia que vous n'avez pas été invité cette fois-ci par la CNLTD? J'espère que non, parce que si ça serait le cas, vraiment, ça serait dramatique, parce que ça sera les mêmes pratiques du pouvoir. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer personnellement de ne pas avoir été conviée à cette réunion. Toutefois, d'après ce que nous avons lu dans la presse aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents, y compris le FFF. Si on croit ce qui se dit sur le journal aujourd'hui, il y a deux anciens chefs du gouvernement qui sont absents, il y a beaucoup de personnalités intellectuelles. Il y a un problème avec le téléphone, il me semble. Allô, Madame Assoul. Nous allons reprendre la discussion avec Madame Assoul, le temps de régler ce problème technique. Karim Kebir, vous êtes avec nous? Karim Kebir? Oui, bonjour. Bonjour Karim, merci de nous avoir rejoints. Alors, une première question, il y en a tellement. Hamroche a-t-il finalement participé à la conférence ou a-t-il vraiment décliné? Bon, il a décliné l'invitation, il a évoqué des engagements personnels. Mais il a dit qu'il appuie l'initiative et qu'il fera partie de l'instance de suivi. D'autres sources prétendent qu'il se serait retiré parce qu'on ne l'aurait pas suivi dans ses appels à l'armée, paraît-il. C'est des choses qui se disent à gauche et à droite. Bon, personnellement, je ne sais pas exactement les raisons qu'il a invoquées. En tout cas, pour le moment, c'est les seules informations disponibles. Après, probablement, on aura des éclairages plus tard. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui donne en tout cas l'impression d'être impliqué dans l'initiative de la CNLTD. Mais après, comme je l'ai dit, on aura beaucoup plus d'éclairage dans les prochains jours. Sinon, est-ce que vous pouvez nous confirmer qui a finalement décliné vraiment, comme le précisait Madame Assoul? Ça c'est le journal Al-Khabar qui a rapporté ce matin que Sidi Hamd Rozali se trouve à l'étranger, et puis Hamroche qui s'est excusé de ne pas être présent pour des raisons personnelles, mais il a dit qu'il serait présent. Après, il y a le FFS aussi qui a reçu une invitation hier soir, et il vient de rendre public un communiqué il y a un petit moment, à peine une heure de ça, où il a refusé de faire partie de l'instance, mais il a dit que je vais pas siéger dans l'instance, mais tout en restant à l'écoute de l'initiative. Il explique son refus par le fait qu'il privilégie beaucoup plus les rencontres bilatérales en perspective de la préparation de la conférence de consensus qu'il envisage d'organiser d'ici la fin de l'année, soit au mois de décembre. Un message poli, diplomatique et courtois pour dire qu'il ne participe pas en fait et qu'il privilégie sa propre conférence, qui, soit dit en passant, n'est pas une conférence de l'opposition, mais selon le FFS,
une rencontre entre l'opposition, on ne sait pas ce qu'on entend par opposition par les temps qui courent, et le régime. Mais sinon, Karim Kebir, vous évoquez dans votre article le pôle des forces de changement, dont la coordination est assurée par Ali Benflis. Or, cette appellation de force, au pluriel, de changement, n'est-elle pas quelque peu usurpée à votre avis? Pouvons-nous prêter de tels qualificatifs force de changement à des petits partis dont la plupart sont inconnus au bataillon et dont certains représentants sont l'archétype même du pur produit du système, avec langue de bois, opportunisme, en bandoulière et tout le barda de l'épicerie politique? Je ne parle pas de tout le monde sur le même pied d'égalité, bien sûr. Je parle de certains que je ne nommerai pas. Force politique, ça vous semble approprié comme terme? Après, là il s'agit simplement de dénomination. Mais après, il faut voir, à mon avis, il faut juger leur travail sur le terrain, sur ce qu'ils proposent comme démarche. Ce n'est pas tant le fait que ça soit des petits partis ou des gens qui ont participé par le passé au gouvernement ou qui ont des accointances avec le pouvoir, mais plutôt de voir dans la démarche qu'ils proposent aujourd'hui. À mon avis, ils sont tous dans une logique où ils ont tous pris la mesure de la profondeur de la crise et donc ils essaient un peu de proposer une démarche pour aller vers un changement. Mais Karim Kebir, un homme politique ou une femme politique qui sortit de ce régime, qui a fait sa carrière dans ce régime, avec les méthodes du régime, qui use de la même langue de bois que celle du régime, dont on connaît un peu le profil politique, ça ne peut pas être une force de changement. Écoutez, Jamel, à mon avis, enfin c'est un avis personnel, oui. Je crois que l'Algérie a grandement besoin de sortir un peu des débats qui ont longtemps un peu grévé, si vous voulez, le débat, en tout cas, autour du changement. Alors, on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, donner à quelqu'un qui affiche une volonté d'aller vers un changement. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été dans le pouvoir, il y a d'autres qui étaient structurés dans des parties du pouvoir. Mais aujourd'hui, je pense que vu la gravité de la situation, vu la profondeur de la crise, je crois qu'on ne peut pas objectivement empêcher quelqu'un d'adhérer à une démarche qui vise le changement ou qui vise à aller pour une transition. Donc, je crois que c'est vrai que peut-être il y a des problèmes qui n'ont pas été soldés. Je pense notamment à la crise des années 90, dont on n'a pas encore soldé tous les comptes, parce que on se rappelle quand même les graves divergences qu'il y a eu entre ce qu'on appelait à l'époque les éradicateurs et puis les réconciliateurs. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau contexte régional, il y a un nouveau contexte mondial, il y a une mutation profonde dans la société, il y a des aspirations qui s'expriment chaque jour. Je crois qu'il est du devoir de tous, chacun, d'essayer d'aller vers l'essentiel, c'est celui d'aller vers le changement. Après, demain, quand la situation sera assainie, quand on aura peut-être réussi à instaurer un véritable régime démocratique ce jour-là, peut-être, le peuple algérien peut bien entendu se pencher sur des questions qu'il n'a jamais soldées pour demander des comptes à des gens qui ont appuyé des démarches par le passé, qui ont peut-être trempé dans des affaires scabreuses, ainsi de suite. Restez avec nous, Karim. Madame Essoul, donc Karim nous confirme que deux chefs du gouvernement n'ont pas assisté et que le FFS a décliné avec un langage politique courtois, comme quoi il suit de loin, quoi. Mais sinon, Madame Essoul, pour changer un peu de sujet, que pensez-vous des récentes purges que le régime a pratiquées sur ses propres clientèles? Est-ce que c'est un signal qu'il envoie aux frondeurs, aux récalcitrants, aux hésitants, à ceux qui commencent à marmonner dans leur barbe sur l'état de santé du président, ou est-ce que... Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça, en fait? Comment cela vous semble... Quelle est votre lecture sur ces purges?
Avant d'abord de vous répondre à cette question, si jamais, je voudrais juste revenir sur justement cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui. Oui. C'est que je voudrais rappeler juste pour l'opinion publique algérienne, c'est que lors de la conférence de Veralta, j'ai été présente en tant que chef de parti de l'UCP et la proposition émanait de notre parti a créé un mécanisme de suivi et des évolutions politiques de cette initiative. Donc, c'est pour vous dire, hein, et qui a été d'ailleurs suivi par l'ensemble des participants. C'est juste pour la précision. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, ce n'est pas du tout, pour moi, ce n'est pas une surprise, hein, ce qui s'est passé. Parce que tout simplement, nous sommes dans un système où il n'y a pas un institutionnel, où il y a des règles qui régissent les institutions de l'État et les fonctions de l'État. Nous sommes dans un système de pouvoir où il y a des groupes qui gèrent ce pays. Et d'ailleurs, avec la maladie du président, qui est maintenant confirmée pour tout le monde et par tout le monde, c'est que nous sommes dans une situation où on ne sait pas qui gouverne l'Algérie. C'est ça la chose gravissime qui se passe en Algérie, qui est une première. Oui. Nous avons un président qui est complètement absent, qui est malade, qui ne peut pas assumer ses responsabilités institutionnelles. Et donc, à partir de là, qui dirige l'Algérie? Personne ne sait qui a dirigé l'Algérie. Et donc, à partir de là, tout est permis. Vous savez, tout est Oui, permis, oui. tous les coups sont permis. Et ce qui est dramatique, c'est que ces gens-là qui subissent aujourd'hui le revers de ce pouvoir-là défendaient le pouvoir il y a quelques jours, Absolument, auparavant. absolument. Donc c'est ça le paradoxe. Donc c'est pourquoi moi, j'interviens, je parle toujours de l'état institutionnel. Il faut impérativement, danger aujourd'hui, c'est que nous avons perdu en tant que pays la gestion d'un pays institutionnel et nous sommes dans une gestion de clans, de groupes occultes qui sont d'ailleurs connus, qui ne sont pas du tout identifiés, en tout cas ils ne veulent pas s'identifier et l'opinion publique perdue. Mais moi je remarque que le grand absent dans cette histoire-là, c'est le peuple algérien. C'est Oui. ça la chose la plus dangereuse. Personne ne semble, en tout cas apparemment, ne semble inquiet du devenir du pays, du devenir des générations à venir, du devenir de l'Algérie en tant que nation, en tant qu'État. Et tout le monde se plaît dans cette situation d'anarchie totale. Le pays est à l'abandon, il n'y a pas de gestion, personne ne gère rien, et donc on est dans une situation chaotique. Et là, moi, je reviens toujours en tant que légaliste, je reviens à dire qu'il faut impérativement revenir à l'application des textes constitutionnels. Nous avons une constitution qui a prévu des dispositions en cas où le président serait malade, mais malheureusement, ces dispositions n'ont jamais pu se faire appliquer. C'est Madame ça le Assoul, danger, en fait. Madame Assoul, votre confrère, Mouqran Ait l'Arabi, est néanmoins homme politique, a Oui. appelé l'armée. Alors, écoutez-moi bien, parce que c'est très très important et c'est en même temps très très subtil. Il a appelé l'armée à convaincre Bouteflika. Sachant que Maître Mouqran Ait l'Arabi n'est pas né de la dernière pluie, qu'il sait très bien que Bouteflika est complètement déconnecté, qu'il n'a plus ses moyens, ni facultés mentales, ni physiques, ni rien du tout. Le fait de demander à l'armée de convaincre, entre guillemets, M. Bouteflika, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Non, mais il a raison, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez le chef d'état-major qui dit que l'armée n'a aucun rôle en politique et qu'elle ne se mêle pas de la politique, c'est vraiment une blague, et une blague que personne ne croit. Parce Eh oui. que depuis Ben Bella au président Bouteflika, c'est toujours l'armée qui a choisi les présidents, pour ne pas dire les a imposés au peuple algérien. Donc l'armée ne peut pas aujourd'hui se débiner, se cacher derrière ce slogan de la muette et de dire je ne suis pas concerné par la politique. L'armée doit prendre ses responsabilités dans le sens où elle sait, elle connaît la situation du président, sa Mais situation qu'est-ce que vous de santé, entendez? Qu'est-ce que elle vous, connaît Madame le groupe Assoul? occulte qui gère le pays,
Et donc, elle doit prendre ses responsabilités. Madame Assoul, qu'est-ce que vous entendez Madame. par prendre ses responsabilités? Oui, mais prendre ses responsabilités, ça veut dire ne plus se cacher, de dire moi, je ne me mêle pas de la politique. Ça veut dire qu'il faut aller avec les groupes, les clans, les clans de pouvoir, les rapports de force qu'il y a au sein du pouvoir, y compris au sein de l'armée, et de discuter en toute responsabilité avec le plan du président et de trouver une issue au pays quand même. On ne peut pas, l'armée avec tout ce qui se passe sur nos frontières, l'armée ne peut pas se confiner aujourd'hui, en tout cas dans la phase actuelle du pays, derrière juste j'assure la sécurité et le côté des frontières et la stabilité. Mais la stabilité du pays, l'armée a une responsabilité constitutionnelle. Aujourd'hui, elle a toujours été impliquée, elle est impliquée même aujourd'hui, puisque le quatrième mandat, on sait très bien, l'amendement de la Constitution de 88, l'armée était partie prenante. On ne peut pas nous raconter des histoires. Donc aujourd'hui, il est temps que l'armée, et là je suis d'accord, maintenant quelle est la formule, c'est pas à moi de dire à l'armée quelle est la formule qu'elle doit trouver, parce qu'elle, elle connaît les arcanes du pouvoir. Elle connaît comment fonctionne le pouvoir à l'intérieur de l'armée et en dehors de l'armée. Elle connaît les clans qui sont constitués. C'est à elle de prendre des démarches, comme toute l'opposition, y compris le parti que je préside, nous avons appelé justement à un transfert ou à un passage, à un changement pacifique, parce qu'on veut éviter à notre pays d'autres dérives dont les conséquences sont vraiment dramatiques pour un pays qui vient à peine de se relever d'une décennie de terrorisme affreux. Et donc, à partir de là, je pense que c'est la responsabilité de l'armée de faire de manière responsable, de manière positive, à essayer de procéder au changement et tout simplement à veiller sur l'application de la Constitution. Merci. Sinon, pourquoi nous avons une Constitution? Merci, Madame Assoul, en espérant vous revoir bientôt. Karim Kebir, selon vous, cette conférence de la CLTD, est-ce qu'elle peut représenter réellement un espoir pour l'opposition de pouvoir rallier autour d'elle un grand nombre de nos concitoyens pour pouvoir apporter une vraie expression politique? Bon, pour le moment, très bien vu, en tout cas leur discours, qu'ils ont affiché comme volonté pour mettre en place une structure quand même qui réunit de différents courants politiques, je pense que c'est en soi déjà une bonne initiative. Après, je pense que c'est il faut les juger sur leur capacité à mobiliser la population et changer les rapports de force. Donc, je ne peux pas vous dire actuellement est-ce que elle a les moyens de changer les rapports de force, est-ce qu'elle en est capable, mais en tout cas, seul le travail sur le terrain, seule la mobilisation est à même de démontrer c'est vraiment capable un peu de mobiliser la population. Donc, parce qu'il y a un facteur dont on ne parle pas assez souvent, c'est la grave crise de confiance. C'est oui. que la population a l'impression d'être complètement déconnectée de la chose politique. Vous n'avez qu'à voir le pourcentage de participation aux différents scrutins qui ont été organisés ces dernières années pour vous rendre compte que les gens ne s'intéressent plus à la chose politique. Mais bien plus, ils considèrent que tous, c'est ce qu'ils disent, hein, et ils considèrent que tous sont corrompus. N'importe qui vous dit qu'ils s'intéressent uniquement pour avoir des postes, pour avoir le partage du gâteau. Et donc, c'est un travail de longue haleine qui les attend. C'est un travail de. Mais on le serait à moins, Karim Kebir. Karim Kebir, on le serait à moins, il faut avouer,
Quand on a affaire à, quand on sait, parce que les Algériens savent, ils vivent avec leurs députés, ils les connaissent par exemple. Hein, ils savent que les Ouais. charges de députés s'achètent au souk des maquignons, ils savent que les ministres sont corrompus. Chaque jour éclate des scandales absolument inimaginables. Donc, s'ils ont perdu confiance dans la classe politique, ce n'est pas pour rien. Oui, bien entendu, les conséquences sont connues, mais il ne faut pas aussi oublier le travail de sape qui a été fait par le pouvoir et par ses relais médiatiques pour un peu discréditer la classe politique et toute l'opposition. Donc aujourd'hui, sans compter la déperdition scolaire, sans compter l'ignorance d'une partie de la population, c'est-à-dire aujourd'hui, donc convaincre un peu la population de la nécessité d'un changement, à mon avis, ça demande un grand travail de sensibilisation, un grand travail de mobilisation, et ça, il appartient aux partis politiques de le faire. Mais ça ne sera pas en 48 heures ou dans un Certainement mois. pas. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est Mais pour ça sinon, que mon geste. Karim Kabir, si, il nous reste environ 2 minutes. Une question que je vous pose, que j'ai posée à Madame Assoul. Qu'est-ce que vous pensez de ces appels à l'armée sous une forme ou sous une autre? Beaucoup de gens appellent l'armée, qui à intervenir, qui à convaincre Bouteflika, qui à prendre en main les destinées du pays, qui à prendre ses responsabilités, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans la situation actuelle, les gens qui font ça, ils partent du constat qu'il y a un dialogue de sourds entre le pouvoir et l'opposition. Du côté du pouvoir, ils sont dans une posture autiste. Pratiquement, ils font tout sans consulter personne. Donc, ils prennent des décisions, ils arrêtent ils élaborent des stratégies, des options économiques, des décisions, des orientations politiques, mais sans consulter personne. Ils sont entourés d'une petite clientèle qui leur sert soi-disant d'appoint politique. Mais en fait, il n'y a jamais eu ce dialogue sérieux avec l'opposition. Et de l'autre côté, il y a une partie de l'opposition aussi qui considère qu'il n'y a plus rien à attendre de ce pouvoir. Donc, si, quand vous voyez cette situation de blocage, quand vous voyez aussi les dangers qui guettent le pays, la situation sociale, économique et les enjeux sécuritaires aux frontières, forcément, l'institution qui est la plus à même de contribuer à réunir tous ces bons mondes, ça reste incontestablement Merci. l'institution militaire et Merci qui est. Karim. Merci Karim. Merci. Donc tout est dit. Cette émission est maintenant terminée. Je vous dis à demain. Salam alaikum. Azul.